La mobilité, d'abord, elle est plébiscitée par les jeunes. On estime que les deux tiers des jeunes pensent qu'une expérience de mobilité non seulement est nécessaire, voire incontournable, pour préparer leur avenir et réussir une inclusion, une insertion sociale et économique. Trois pays que vous avez déjà visités. Je vais essayer de ne pas faire ceux qui ont déjà été faits. Et enfin, avec le feutre vert, trois destinations que vous aimeriez. Nous, on est parti au Sénégal dans le cadre des Scouts et Guides de France sur un projet d'un mois qu'on avait préparé en amont pendant un an, de A à Z. De façon utopique, l'idée c'était de mettre en place une cantine autosuffisante pour l'école. Nous, on a vraiment fait les premiers semis grâce à des graines de l'association Cocopelli. On a vu ça pousser sous un climat plein de soleil et plein de pluie. On a aussi fait tout un tas de rencontres là-bas. C'était très sympa d'être au sein du village, vraiment mêlé à la vie de la population. On a pu voir les conditions, avoir vraiment des débats super riches, des très bons moments, et prendre plein de photos que vous voyez là, donc pour illustrer un peu ces moments, surtout toutes nos sources d'étonnement, vraiment les éléments qui nous ont sidérés, comme les paysages, puis les gens, et beaucoup les enfants qui adoraient se faire prendre en photo. J'avais vraiment envie de témoigner, de partager ce que j'avais vécu. Il est toujours temps de trouver sa passion, il est toujours temps de trouver ce pourquoi on est fait dans la vie, et que oui, ça existe, que c'est pas un mythe, que c'est pas d'être heureux et de travailler, ou de ne pas avoir l'impression de travailler, c'est vraiment possible. C'est pour ça que j'encourage vraiment tout le monde à partir. Surtout partir voyager. Pourquoi ? Parce que c'est la meilleure manière de se découvrir soi. C'est juste ça, le voyage, c'est vraiment se permettre de se trouver et vraiment se permettre de se révéler aussi, parce qu'on a chacun, on a quelque chose en nous et on a peut-être soit honte de le révéler, soit tout simplement on n'en est même pas conscient. Et le fait de voyager, ça va vous permettre de faire ressortir tout ça. J'ai présenté un stage que j'ai fait en Finlande dans le cadre de mes études et j'ai trouvé plein d'autres choses. J'ai partagé plein de choses avec des gens qui m'ont donné des conseils, qui m'ont donné des adresses et voilà. Alors nous, on est ici pour vendre des crêpes dans le but de financer notre projet. En fait, avec notre lycée, on a un projet de classe, c'est de partir 15 jours au Népal par rapport à ce qui s'est passé au séisme pour pouvoir aider sur place, pour reconstruire les orphelinats, reconstruire tout ce qui aurait pu être touché et détruit par le séisme. Et puis après, vu que c'est un lycée de montagne, donc le CFMM de Thônes, on aurait pour la dernière semaine faire un peu de rando, du trail, découvrir un peu le pays là-bas. Ce serait notre but. Les crêpes.